Sois autodiscipliné. Qu'est-ce que tu peux faire, mon ami, aujourd'hui pour mettre plus d'autodiscipline dans ta vie? La réalité, c'est que c'est passe à l'action. Passe à l'action, comment? Ben, décide de faire ces choses que tu as toujours voulu faire, que tu as toujours remis à demain. Tu as combien de choses dans ta vie, tu dis, il faut que je fasse ci, j'aimerais faire ça, je voudrais aller là-bas, je voudrais parler à un tel, je voudrais construire ceci, je voudrais faire cela. Et tu les as mis encore et toujours à demain, tu les as remis à demain. Combien de fois dans ta vie tu t'es dit, ah, promis, à partir de maintenant, je fais ci, je prends la décision d'arrêter de fumer, je prends la décision de faire du sport, je prends la décision de, etc. Et, ah, finalement, je commence demain, etc., etc. L'autodiscipline, c'est pas compliqué. Décide maintenant les trois actions que tu vas pouvoir faire maintenant pour construire ce muscle d'autodécision que tu vas construire en toi. Alors, ce que je te conseille, c'est trois choses. C'est déjà une toute petite action, un truc très simple à faire. Par exemple, ça peut être, je ne sais pas, faire ton lit le matin. Il y a plein de gens, ils font pas leur lit. J'en faisais partie pendant des années. Maintenant, je le fais, pour les raisons que je suis en train d'évoquer d'ailleurs. Mais pendant des années, pour ma part, je faisais pas mon lit le matin. En plus, c'était pas compliqué, c'était une couette. Attends, ça prend 2 secondes. Pourtant, je ne le faisais pas. Peut-être que la première petite décision que tu peux faire, c'est bon, hé, Gérald, à partir de ce matin, à partir d'aujourd'hui, je prends 1 minute 30 pour faire mon lit. C'est rien, ça ne va pas changer ta vie. Mais en fait, si. Pourquoi? Parce que si tu arrives à tenir cette décision, qui n'est pas non plus une super grosse décision à tenir, tu vois, ben tu vas construire en toi des chemins neurologiques qui vont dire, mais je peux le faire, je peux prendre des décisions et m'y tenir. Donc fais une petite décision, facile à tenir. Une deuxième, peut-être plus dure, mais pas non plus un truc impossible. Par exemple, ça peut être, allez, à chaque repas, je mange des légumes verts, je mange des petits pois ou de la salade ou des choses comme ça. Ça peut être une décision pas non plus impossible à tenir, mais que tu n'as pas mis encore dans ta vie. Et que tu te dis depuis que tu es gamin, depuis un certain temps, tu te dis, bon, ça serait bien que j'arrête de bouffer de la merde. Mais décide aujourd'hui de le faire. Deviens autodiscipliné. Et troisième décision, prends une décision beaucoup plus dure à prendre. Un truc que tu as toujours rêvé de faire, par exemple, tu es fumeur depuis 45 ans, c'est peut-être le moment d'arrêter aujourd'hui, non? Décide aujourd'hui, enfin, pour transformer ta vie de manière définitive, d'arrêter de fumer. Ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans que tu en parles. Que tu en parles à toi-même, que tu en parles à ta famille. Décide aujourd'hui de le faire. Prends une grosse décision. Ça, c'est qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour devenir de plus en plus autodiscipliné? Mais plus tu prendras des décisions et tu les tiendras, plus tu construiras ce muscle de l'autodiscipline et plus tu réussiras à devenir de plus en plus autodiscipliné et plus ça te permettra de prendre des nouvelles décisions de plus en plus fortes, de plus en plus importantes, de plus en plus grandes.